the jazz part. Il a ça dans le sang, hein, Thierry. Ça se voit tout de suite. Ah ben voilà. Ben voilà, la planche à voile, le sport, le jazz, tout est là, tout est. L'homme orchestre. Oui, oui, voilà, Jamie Cullum, oui, qu'on écoutait, qui sera l'un des invités de ce festival de folie. C'est un festival, c'est un classique, hein. Oui, c'est un classique. Ans, hein, jazz à Marciac. Oui, ça fait plus de 42, enfin plus de 40 ans, donc 42 ans que ça dure. Et personne n'aurait imaginé, il y a 42 ans, quand le maire a l'idée de faire cette première soirée de concert, que 42 ans plus tard, on en est à 3 semaines de festival, que dans le monde entier, les plus grands musiciens parlent de Marciac, petit village de 1350 habitants, au milieu du Gers. Et ce festival a bouleversé la vie de ce village. Vraiment, le collège allait fermer. Et il a aujourd'hui doublé son effectif grâce à la création d'une classe de jazz. Il y a une salle de spectacle qui accueille 50 spectacles par an. Enfin, c'est devenu un petit centre culturel du monde, ce petit village de Marciac. Et les 1000 bénévoles qui font vivre ça. Ah oui, carrément. Ah oui, ce sont 1000 bénévoles qui, tous les ans, ne rateraient ça pour rien au monde. Ils ont entre 20 et 80 ans et ils se retrouvent là. Tout se mélange, tous travaillent ensemble. Il faut dire qu'ils ont vu Nina Simone, Ray Charles. Là, il y a quelques jours, Sting, Gregory Porter. Ce soir, Thomas Dutronc. Dans quelques jours, les frères Jackson seront, je crois que c'est le 11, sous le grand chapiteau qui accueille 12 000 spectateurs. Et sur la place du village, tous les jours, de 11h30 à 19h30, vous avez les plus grands qui passent gratuitement. Donc si vous êtes dans le coin, ou même si vous êtes très très loin, passez par Marciac. C'est dingue, et c'est jusqu'au 15 août, et c'est dans un enthousiasme inégalé. Je vous y emmène. Et cet homme a été statufié de son vivant. Oh, une statue, franchement, je suis mal à l'aise. C'est plus pour les disparus, non ? C'est l'âme de cet endroit qui me touche, tous ces bénévoles. C'est un grand festival dans un petit village du Sud. Et moi, je suis de la Nouvelle-Orléans. On est connectés, en gros. Ce festival a fait bouger les lignes, mais pas seulement pour les amateurs de musique de jazz, pour l'ensemble de notre population, puisque ce festival a véritablement changé le cours de notre petite histoire. Rien ne se ferait ici s'il y avait cet immense mouvement de bénévolat, 1000 bénévoles qui sont mobilisés pour donner à Marciac une atmosphère très particulière. Ça a bien marché. Ma fille va venir la semaine prochaine. Elle est venue l'année dernière, alors bon, elle fait des études, je la vois plus jamais, donc là c'est l'occasion de passer. Elle adore la cuisine aussi. Je passe une semaine avec ma fille. C'est ma quatrième année. Et pourquoi vous revenez alors? Ben parce que pour moi c'est le paradis, parce que j'adore la musique live, j'adore le jazz, j'adore la cuisine. Et l'ambiance avec les jeunes gens, les. Trop bien. J'étais directrice d'école, alors je gardais des cahiers d'école. Je le fais depuis le début, c'est-à-dire 42 ans. Et la première année, on était à un spectacle dans les arènes. Et puis petit à petit, ça a été 2 jours, 3 jours, 6 jours. Et là, on est arrivé à 18 jours. Mais bon, pas plus. L'équipe de Sting. Ah, il est venu avec son cuisinier. Nous, on a vu les légumes, on a vu beaucoup de légumes. C'est véritablement notre réalité qui a changé. Ce village compte 8 restaurants ouverts à l'année. Vous vous rendez compte, dans un village de cette taille, cette manifestation est née du monde associatif. Il ne faut pas qu'elle fasse l'objet d'une appropriation. Un
bravo Anna, parce que c'est un bel hommage, aux bénévoles, à la simplicité. Mais oui, on se rend pas compte de c'est un caractère si précieux. L'avenir de l'homme est associatif. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant qu'on reste à l'abri des grands intérêts, ben on se retrouve avec des événements aussi magiques que Jazzy de Marsillac. Et son maire, Jean-Louis Guillaumont, il prouverait que rigueur et enthousiasme, voire franche rigolade, sont complètement compatibles. Et ça fait vraiment plaisir. Et puis on se régale. Allez à Marsillac. Bon. C'est intergénérationnel. Et c'est intergénérationnel. Non, mais tout le monde se retrouve. Ah, oui, tout le monde, c'est vraiment un vrai. Les jeunes ne partent pas, les vieux s'éclatent. Voilà, donc tout le monde travaille ensemble, c'est le rêve. Et même Sting, bon, qui a dû récemment annuler quelques dates. Ah non, là, non. Et ils font tous de gros efforts de prix, par exemple, les stars, vous voyez. Ils veulent venir à Marsillac. Merci, merci. On se retrouvera tout à l'heure.